Bonjour, bande d'amitié. Avec l'édito, on a tout en s'amusant. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire du crafting. Ah, mais c'est trop facile de faire du crafting, hein? Tout le monde sait comment faire ça. Ferme-la! Je sais très bien que c'est facile. Mais quand tu vas être seul dans ton appartement, avec 4 chats, tu vas être très content que j'ai pris mon temps précieux pour t'enseigner à faire ce repas. La seule source de confort depuis ton chum Tennessee, parce qu'il préfère une fille qui ne joue pas à la balle, avec un félin gras toute la journée, et qui ne va même pas ramener la balle, parce qu'il est un chat et pas un chien. Va chercher une table. Pour faire du crab dinner, il te faut une boîte de crab dinner, du beurre, j'ai pas trouvé de lait, donc j'ai pris de la mayo, des saucisses et de l'eau. Bon, d'abord, on doit faire bouillir l'eau. Voici comment savoir si elle est prête. Maintenant qu'elle est prête, il faut ouvrir la boîte de crab dinner. Une fois la boîte ouverte, on le met dans le bol et on attend 10 minutes. Attends. Bon, une fois les pâtes ramassées, on met la mayo, les saucisses et le beurre. Et on met le fromage à sécher. Et voilà, comme par magie, la du crabe. À partager en amoureux, ou tout seul, assinant sur sa lampe, dans ses propres larmes. Moi je vous laisse, je dois aller raser mon écureuil. Quand il est là, c'est tourniquet, je vous aime, connard.